Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de survie du week-end. On va boire un coup, mais pas trop, parce qu'il faut qu'on ait de la place pour l'été et tout ça. Ça, il faudrait peut-être le mettre par terre pour éviter d'avoir un inventaire qui ressemble à ça. Tiens, on est à 0%. Donc, dans cet épisode, on va essayer de trouver de la vie, et pas que des loups zombies. On va essayer de trouver de la nourriture, surtout. On va essayer de trouver de la nourriture. Il fait tard. Ouais, non, ça va. On va utiliser la lampe. Ça, on a plein de carburant et tout ça. Donc, honnêtement, je voudrais bien encore visiter. Je dis pas non pour visiter encore les lieux, parce qu'il y a plein de bâtiments de tous les côtés, honnêtement. D'accord. Il y a des problèmes avec la disposition des objets, j'ai remarqué. Ça fait ça, comme ça, des fois, de temps en temps. J'ai remarqué qu'il y avait des problèmes quand j'étais au lac Mystère, depuis la mise à jour, et que je voulais bouger des choses, et ça faisait ça. On va poser ça là. Alors, tac, 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 tac. C'est un peu le bordel, mais bon, c'est comme ça. Ok, on va se mettre ici, je vais virer la lampe. Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, on va essayer de trouver de la nourriture. Ce que je voudrais, j'espère qu'il va faire qu'on va avoir un beau temps. Ce que je voudrais, c'est trouver de la nourriture. Et prendre le travois, en fait. Et genre ramener plein de trucs. Vous voyez, genre ramener une vingtaine de kilos de viande et tout ça. Si jamais, bien sûr, on trouve des choses. On trouve des trucs à tuer. Donc j'ai pensé à ça. Est-ce que le gilet pare-balles, on le prend avec nous ou pas? Je dirais que le gilet pare-balles, on n'en a pas besoin. Pour le moment, parce que maintenant, on sait un peu comment ça se passe. Donc on ne devrait pas avoir de problème par rapport à ça. Enfin, j'espère. On est à 40 kilos. On est lourd, hein. On est grave lourd. Hein. Pourquoi on est aussi lourd, hein? Ouais, j'ai la lampe sur moi, j'ai tous les outils, j'ai le sac. Ouais, enfin de toute façon on n'est pas là vraiment. On a beaucoup de bois. Attendez, est-ce que je peux me repérer dans le noir ou pas? Non, laisse tomber. Et c'est là qu'on voit un visage. Donc ouais, on va essayer. Donc on va essayer d'aller derrière. On avait dit derrière le bâtiment. Il fait un peu froid par contre. Non, on voit pas grand chose. Ouais, non, mais j'aime pas trop ce temps en fait. On va attendre un peu que ça s'arrange. On va aller là-dedans. Attends, c'était où? Là-dedans ou là-dedans? Là-dedans, je crois. Parce que là, c'est toxique. On va aller là-dedans, on aura chaud. Ouais, c'est bon. Très bien, donc on a un établi, on peut crafter à la belle étoile, ça c'est bien. Du métal. Je cherche des choses peut-être à casser pour passer le temps. Bah attendez, on peut se faire ça en fait, parce que je sais qu'on a des... Ah non, même pas. Je pensais qu'on avait trouvé assez de champignons, des trucs comme ça, mais en fait pas vraiment. On n'a rien vraiment à faire en fait. C'est un peu embêtant. Mais on n'a rien à faire. Vous avez vu aussi, je crois qu'avant ça y était pas, maintenant on a tout ce qu'on peut crafter, tout qui est en haut. Je crois. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est différent depuis cette mise à jour. Là, il nous faut quoi? 39 minutes. Ah, très bien. Ici, ça m'a l'air d'être un bon endroit en fait pour camper. Attends, il n'y avait pas un baril? What? Il n'y avait pas un baril où on pouvait mettre le feu? Ou alors il y a plusieurs granges peut-être? Ouais, où je deviens fou.
Ah, c'est peut-être celle-là? J'en sais rien. Bon, en tout cas, on va aller chasser. Ah, il y a du toxique, là. On a un loup à droite. Vas-y, ramène ta fraise. Okay. Les boyaux, on pourrait les prendre. On peut passer par là. Ouais. Les boyaux, on pourrait les prendre. Oh mon dieu. Je sais pas si on est censé faire ça. Il y avait un truc au pied de la structure. Les boyaux, on pourrait les prendre, des loups, honnêtement. Mais à la limite, je préférais trouver du lapin. Trouver du lapin, comme ça on peut le transporter plus facilement. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est juste des... c'est boulonné en fait. Ok, ça marche. Ok, donc on a un passage là-bas. Mais bon, là ça doit retourner sur la zone principale. Et là, on s'éloigne des mines. Ok. Ah, voilà. Là, j'entends des oiseaux. On va prendre un peu de hauteur. Donc ouais, dans cet épisode, on se concentre absolument sur est-ce qu'il y a quelque chose à bouffer ici, en fait. Parce que sinon, on va vite détruire toutes nos ressources. Ça, c'est un peu chiant. Merde, c'est toxique, ça. Non. Il y a une chute d'eau. On va zapper, on va brûler à travers toutes nos ressources. Ça, c'est pas bon. Donc, je voudrais trouver quelque chose à manger, en fait. Là-bas, il y a un cerf, je pense. Oh, c'est des maisons, ça? C'est une maison? Peut-être des massettes, aussi? On va tout prendre, en fait. Tout ce qui est pour manger, on va le prendre. Par contre, j'ai un peu froid. On entend des loups, mais très loin. Je me demande si c'est les mêmes loups. Parce que je vous rappelle qu'on avait vu le cadavre d'un loup, en fait. On a chaud ou pas? Non. On avait trouvé le cadavre d'un loup, qui était un loup normal. Ouais, ça c'est un peu le problème, le froid par contre. Je pense qu'on va devoir se faire un peu violence. J'aurais dû peut-être prendre du bois. Enfin, j'espère qu'on va en trouver facilement pendant qu'on chasse. Oh, j'ai pas pris de... Non, ça va, on en a deux. Ah, là. Enfin, j'ai froid, fait chier, je tremblais. Ah, mais il y en a deux de loups. Très bien. Merde. Ah, mais c'est des zombies aussi, ça. Ouais, c'est des zombies aussi. Je sais pas du tout pourquoi il s'arrête de me charger. Je comprends pas du tout la mécanique là. C'était pas comme ça avant, on est d'accord. Genre de quoi ils ont peur? On peut pas passer par là. Ok, attends. Ouais, c'est bien zombie. Ouais, je comprends pas vraiment pourquoi ils font demi-tour. Il y a une grotte. Je peux pas monter par là.
Ah, attends. Là, il y a un pont, là. Ok. Je pense qu'il y a moyen de passer. Déjà, on pourrait faire ça. On pourrait prendre... On pourrait faire un feu à côté de ça. Il fait très très froid ou pas? Moins 12, ça va. Ouais, on va faire un feu à côté de la carcasse, là. Il doit avoir au moins une 5 kilos, je dirais. Donc, si on peut tout faire, ça serait bien. Et à la limite, si jamais il y a vraiment des loups, des normaux, le fait qu'on soit qu'on pue la barbaque, ça va les faire venir. Et du coup, on peut tous les tuer et tous les tous les dépecer. Par contre, c'est vachement pentu. Oh merde. Bon, d'accord. Ah, d'accord, il n'y a qu'un seul kilo, ça marche. Je sais pas trop ce que j'en pense encore de cette animation là. Je. Il faudrait 21 minutes. Ouais, ça fait... Putain! Ah là là, on peut pas faire de feu, t'es sérieux? Ah là là, c'est vraiment tellement mal positionné. Non, mais je veux pas pouvoir. Parce qu'il me faudrait la peau et les boyaux. Pour, de 1, le travois, et de 2, pour nos bottes. Parce que nos bottes, il va falloir les réparer. Je peux pas vraiment dessiner la carte non plus parce qu'on a froid. Ah, si on pouvait trouver un thermos, hein, ça serait bien. Mais bon, il y en a peut-être dans les bâtiments encore une fois, mais comme j'ai dit, normalement, là on fait, là on se concentre sur la nourriture. J'ai pas envie de tout bouffer en fait. La nourriture simple à récupérer. Ça serait bien de trouver une autre carcasse qu'on peut dépecer, mais qu'on peut faire un feu à côté. Ça serait vraiment bien. Honnêtement, je suis un peu déçu qu'on ait pas pu faire de feu. Ah, ça c'est nickel. Il y a des... Ok, cool. Ça, on va pouvoir s'en servir pour nous maintenir au chaud. J'aime beaucoup par contre les changements, j'aime beaucoup les... C'est vrai que les gants, j'avoue que ça rajoute quand même beaucoup de choses. Hein. Le fait de voir son équipement, c'est pas mal. Après c'est vraiment l'animation, je suis pas sûr que j'aime bien en fait ce changement, le fait d'avoir une animation. On a l'impression que ça prend plus de temps en fait. Genre jouer l'animation est plus lente qu'avoir, vous savez, le temps là qui passe comme ça là, avec le cercle. Donc du coup je suis pas trop certain que ça me plaise à cause de ça. Il va falloir qu'on fasse une pause là et qu'on se réchauffe. Mais je voudrais trouver quelque chose. En plus, il fait pas super super froid. Droite ou gauche? Lapin. Ok, on va faire un feu ici. On va chasser les lapins. Alors, fais voir si on peut se mettre en hauteur. Est-ce qu'on peut cacher notre feu? Ça fait un bon creux là. Je sais pas où mettre le feu. Je sais pas du tout où mettre le feu. Il n'y a pas vraiment d'endroit idéal là.
Attendez, on va faire peur aux lapins sinon. Oh yes! Je pensais qu'il faisait pas assez jour, assez clair pour utiliser la loupe, mais en fait ça va. Ok, nickel. Come on, little fire. Très bien. Oh, lucky day. Give me trees. Alors, nickel. Alors, on veut ça. Et on veut. Ça. I would drink almost anything about now. Là, il fait quand même un peu froid. Hein. Voilà, très bien. Prendre 2 minutes. C'est au tour maintenant du lapin. On va y passer. On va le faire à l'arc. Hein. On a perdu beaucoup de vie, hein. On en a perdu de la vie quand même là, à faire notre petit. My fingers feel numb. Notre petit tour, ça m'embête un peu. Je prends un peu plus de bois, histoire d'augmenter un peu le feu, la chaleur. Et après, si jamais on trouve un endroit avec genre beaucoup de serres et tout, on essaye d'en chasser un ou deux. Histoire de récupérer genre quasiment la totalité de la viande. Puis après on met tout dans le travois, on revient ici, puis après on transfère quoi. On commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, très bien. 14 minutes, nickel. Parfait. Non, ce serait bien. On va cuire ça, on va dessiner. Ok. Très bien. Maintenant, il faut s'occuper du lapin. Il y a plein de choses que j'aurais pu poser, honnêtement. On aurait pu être beaucoup moins loin, j'ai envie de dire. 5 minutes. On aurait pu être beaucoup moins lourd, j'avoue. Ah, 5 minutes. Ça c'est quoi? 21. 7. Eh, vous voyez, de faire tout ça, en fait, c'est lent. Donc, je suis pas ultra vendu, en fait. Sur le fait de voir ça tout le temps. Je suis pas encore méga vendu. Est-ce que c'est vraiment très utile d'avoir ajouté ça? 16 minutes. À chaque fois, on doit revoir exactement la même cinématique en plus. En plus, je viens de m'en apercevoir, mais ils ont mis des skins par défaut. Genre, les mains, elles sont nues. Et le vêtement, c'est pas ce que je porte. Donc, bon. Enfin, voilà, quoi. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire ça? Je sais pas. Bien. Alors, on va en profiter pour faire ça.
Parce que ça, c'est les thés, les tisanes là, qui remettent un peu de la vie et tout ça. Ça va être le truc le plus utile en fait qu'on utilise. Potable, potable. Et après on repart, c'est parti. On va boire ça et on part. On a fait le boyau. Non, on a tout fait, ça marche. On aurait pu prendre plus de torches maintenant que j'y pense. Ah, attendez, on va prendre plus de torches. On est à combien? 42. Attends, te brûle pas. Ok, go. Vous voyez, si on avait un thermos comme ça serait vachement bien. Le coup de pouvoir réchauffer tout ce qu'il y a et tout. De pouvoir en boire d'affilée comme ça, chaud. Ça serait vraiment, 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 vraiment bien. Bon, déjà, bonne nouvelle, on a des lapins. Ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Par contre, j'ai un peu sprinté, on est assez fatigué, faut faire attention à ça. On va éviter de trop sprinter maintenant. On a récupéré un tout petit peu de vie, c'est bien. Là, on n'a plus vraiment froid, c'est cool. Par contre, quand on rentrera, ça dépend, bien sûr, si on prend exactement le même chemin. Il va falloir qu'on... Alors, faut faire attention, parce qu'on pue la barbaque, donc des loups peuvent venir directement sur nous. Mais il faudra qu'on récupère la peau de cerf. Si jamais on trouve aucune peau de cerf et tout ça, il faut absolument qu'on récupère la peau de cerf qu'il y avait sur la carcasse. Car ça va nous aider. Parce qu'il faut qu'elle sèche aussi. Et ça prend du temps. C'est vachement bien de se dire que... Ah, ça c'est sûrement le chemin qui faisait de l'autre tour en fait. Il y a sûrement une grotte honnêtement. Parce que j'ai vu pas mal de design comme ça, de régions. Ils font toujours un peu la même chose. Je suis sûr qu'il y a une grotte ou des trucs à récupérer là-bas. On essaiera d'y retourner après. C'est bien en fait de se dire que si jamais on trouve des cerfs et tout, ou genre même un ours par exemple, et on tue un ours... On sait très bien que tuer un ours, c'est galère. Parce que on va... Il y a au moins, je crois, 30 ou 50 kilos de viande à récupérer. C'est relou, c'est chiant à prendre. Oh bah tiens, il y a une grotte. C'est galère. Mais là, on a le travois. Donc du coup, ça change la donne, en fait. Ça change grave la donne. C'est une grotte d'ours, en parlant d'ours ou pas? Non. Du tout, évidemment. Ça, c'est moche. Oh! On a fait tout. Ouh, c'est bon, ça. Attendez. On va dormir une petite heure, je pense. Enfin, quoique, dans un sens, j'ai pas vraiment besoin. Alors, on va mettre la grotte là. Parce qu'en fait, je voulais allumer le feu, dormir une petite heure. Mais on en a pas vraiment, vraiment besoin.
J'aurais dû prendre peut-être plus de torches. Bon, après, on a plein d'allumettes, hein, c'est pas vraiment un problème. J'espère que là... Là, par contre, il n'y a pas de toxique. Donc, ouais. Je pense que le centre de la map doit être concentré, en fait. Enfin, tout ce qui est autour de la mine, quoi, en gros. Genre le chemin, les routes vers la mine, et autour de la mine, c'est blindé de toxique, mais après, le reste de la région est plus ou moins clean. Par contre, est-ce qu'on va trouver des habitations? Ça, c'est encore une autre histoire. C'est grand, dis-moi. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire du feu à chaque fois. Récupérer des torches. Je vais voir si j'ai le temps. J'ai jamais testé. C'est un peu un test aussi. Est-ce que si la torche éteint, ça annule ou on a le temps? Ah, intéressant. Intéressant. Vous voyez, ça, on pourrait l'utiliser, le fait de... Attendez. Le fait de pouvoir, en fait, tout réchauffer tout le temps avec un thermos. Parce que là, je peux réchauffer qu'une seule... un seul thé, on est d'accord. Hein. Parce que si on fait plusieurs thés, en fait, le temps que le premier buff en fait parte, la plupart du temps, le deuxième thé en fait va être froid. Donc techniquement, on peut pas vraiment en faire plusieurs. Mais là, avec le thermos, ça changerait vraiment le gameplay pour moi. Hein. Et ça, tout serait vraiment vachement bien. Quoi ce bruit? Bon, ben, on va faire demi-tour. Tu vas me dire que ça a pas soufflé ma torche? Ah, ok, quand même. C'était où exactement la grotte? C'était de ce côté là. Que je fasse pas de conneries parce que j'ai pas envie de me perdre pendant une tempête. J'ai un doute. Si, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Parfait. Parfait, parfait. On va pouvoir se reposer un peu ici, c'est nickel. On en profite, hein. Alors, est-ce que j'ai des choses à préparer à la main?
ça. Bon, mais ça va, ça se passe bien, là. On explore petit à petit. C'est un peu long parce que, voilà, hein, il fait froid et tout ça. Mais ça passe, ça passe. C'est bien. Non, j'ai rien. Est-ce que j'ai des vêtements à coudre? Pas vraiment. Non, pour le moment, ça va. Pas besoin. Pas besoin de refaire un feu non plus. Je pense qu'on va juste dormir genre 2 heures. Voir un peu si le temps se calme un peu. Ok. Je sais pas ce que j'essaye de faire. Bon bah on va essayer de récupérer du bois. Ou des massettes. On va essayer de récupérer des trucs. Personnellement, je sens qu'on va être bloqué ici. Je sens qu'on va devoir passer la nuit ici. Mais bon. Encore heureux qu'on a trouvé cette grotte. Honnêtement, la région est vachement bien pour le moment. Je le répète. Je trouve que l'agencement des zones et tout ça, comment se déroule l'exploration, une des meilleures maps, personnellement, je trouve. Une des meilleures maps. On a combien de tissus? Est-ce qu'on avait vu beaucoup de tissus dans les mines? Enfin, dans les bâtiments de mines. Pas beaucoup, hein. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de tissus à prendre. Donc ça, on va le garder quand même de côté. On va pas balancer notre tissu. Ah oui, mais non, non, j'en ai récupéré. Je me suis dit tout à l'heure, j'en avais 31, j'en ai mangé, j'en ai encore 31. Un peu étrange. Très bien. On est bien blindé. On est bien blindé. À la limite, je ferais bien un feu, mais pourquoi faire? On pourrait préparer des thés, des tisanes et tout ça. Mais je pense pas que ça serve vraiment à quelque chose. On pourrait utiliser un peu de tissu pour réparer nos vêtements, mais je pense pas que ça serve vraiment à quelque chose. Comme j'ai dit, je préfère en garder quand même de côté. Là, j'ai pas vraiment de temps à passer, en fait. Je sens qu'on va devoir passer la nuit ici. Il fait un peu plus chaud au fond ou pas du tout, non? Ouais, non.
encore 5, ça c'est bien. Après là, il faudrait faire des reishi et tout ça. Là. Ça, ça serait pas mal. Il faut 42 kilos. On peut faire un petit tour encore, genre du côté gauche cette fois, voir s'il n'y a pas quelques trucs à récupérer. Puis ça nous fatiguera et du coup on pourra être full vie. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, là. Très bien, nickel. En plus, on a sprinté, on s'est fatigué, donc c'est nickel. Normalement, yes. Ah, il fait froid, hein, parce que... On ressent pas énormément, hein. Il fait froid, 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 quand même. Ah oui, on peut faire des torches aussi. Ok. Ouais, parce qu'il y a ça. Bon, ben... Ben... Ah, peut-être que ça se calme. Je sais pas. On va dormir. Peut-être que pendant la nuit il fera une aurore boréale ou un truc comme ça. Peut-être qu'on pourra voir un peu mieux. Ok, on est réveillé. Alors du coup, on peut continuer notre exploration ou rentrer. Je dirais pas non pour rentrer. Non, on a rien. Non, ça sert. Non, ce serait débile. On va prendre des torches. On va prendre ça. On est à 45, ça va. Non, ce serait débile de rentrer, on a quasiment rien fait, quoi. En plus, il va bientôt faire jour. On n'a rien découvert, on n'a pas trouvé d'animaux à chasser. Non, ça sert à rien. Non, 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 il faut qu'on continue, là. Il faut absolument continuer. Là-bas, il y a des troncs d'arbres, donc il y a sûrement des champignons. Donc, nous, on était allé sur la droite. Hein. On va continuer dans le lieu ouvert. C'est quoi? J'arrive pas à distinguer si c'est des structures ou c'est juste... juste du bois, en fait. Je sais, mais il nous faut du bois.
C'est une corde, ça? Je crois que je distingue une corde. On aurait une corde de ce côté-là, intéressant. C'est un ours qui dort, ça? Non, c'est des cailloux. Ah, c'est un peu compliqué hein, dans la nuit, hein, des fois, de distinguer les formes et tout ça. Donc ouais, il y a bien une corde. Elle est pas très très haute, ça va, on pourrait la prendre sans trop de problèmes. Je voudrais bien voir si on peut avoir un endroit pour se mettre à l'abri. J'ai pris des barbes aussi. Là, on en a 3 normalement. Donc, on va pouvoir refaire celle qu'on a perdue. C'est quoi ça? C'est strictement rien. Fait un peu froid, mais on avance, on explore. On est obligé d'explorer de toute façon, sinon on n'y arrivera pas. Donc, on y va, on y va. On force un peu, même si ça fait un peu mal. Ça, c'est un truc, par exemple, j'aurais bien voulu avoir découpé la peau du cerf, par exemple, et la mettre à sécher, parce que là, on passe plusieurs jours, en fait, dehors. Et j'avoue que ça aide pour le temps. Mais bon, après, on fait que des allers-retours, c'est pas vraiment fun. Si jamais on trouve un terrain de chasse, c'est-à-dire genre plusieurs serres dans un endroit, on va se mettre dans un coin, faire un feu, se réchauffer. Essayer de tous les abattre. Et récupérer toute la viande et la peau, et les peaux, même les boyaux. Genre tout, vraiment tout prendre. Et à la limite, si vraiment c'est ultra ultra lourd, on utilise le travois pour revenir. Bon, par contre, j'avoue que là, on commence à être très loin. Je suis pas certain de retrouver la route de la mine. Je vais être franc. Je suis pas extrêmement certain. Donc, ça, c'est un petit problème. Ah! Ça, c'est des oiseaux, je crois. Peut-être un cerf. J'ai entendu un bruit. Je vois rien qui bouge. Putain, faut aller méga loin pour trouver des trucs en fait. Oh, la vache. C'est quoi ça? À l'arbre, au pied de l'arbre. Oh mon dieu, on a fait un cercle. Oh la vache, ok, on a trouvé un ours. Ok. Ok. Putain, il m'a fait peur ce con. Ok, alors attends. Il faut qu'on trouve un terrain de chasse. Alors attends, bouge pas. Si on a un ours, on va essayer de prendre toute sa... toute la nourriture. Il faut d'abord qu'on se réchauffe et tout.
On va peut-être même dormir pour être à fond. Ah, il n'y a pas vraiment de bons endroits en fait pour faire un feu, c'est chiant. Genre là. Ok. Yes, on a un ours. On a un ours. Alors... Ok, très bien. On va faire ça, ça. Ok, nickel. 24. Est-ce qu'on a des torches à détruire? Celle-là. Ok, on a l'ours. J'ai vu le terrain a l'air ok. Je pense qu'on peut utiliser le terrain à, à notre avantage. Je pense que ça devrait aller. Je voudrais bien dormir une heure histoire de pas... d'être à fond en fait en chaleur. Quoique non, ça va en fait. Ça devrait aller. Ouais, ça doit... Ça m'embête. J'ai vraiment envie d'être à fond, fond, fond quoi. Et un peu pour me remettre de la vie aussi. Ouais, 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 on va faire ça. Ok. Pourquoi je fais ça? Parce que... Parce que... on n'a pas le gilet pare-balles. Donc je veux absolument être avoir le plus de vie possible en fait. Alors on va faire comme ça. Voilà, ça aussi ça nous remettra un peu encore de la vie. Très bien. Alors... Après, il y a un peu un risque qu'il soit parti. Ouais, j'avoue. Ouais. J'ai un peu peur de faire ligne droite. On va essayer de faire de contourner. Après, je pense qu'il n'est pas allé loin, hein. Dieu, ce vent, ça me rend fou. Il est là. Pas mal là. Il m'a flairé ou pas? Ah putain, il est par là-bas. On lui a mis une belle flèche en pleine tête. Hein. Lui a mis une très très belle flèche en pleine tête. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est loin. Oh, oh lolo. Oh putain de vent quoi, ça me rend fou ça.
l'entends encore. Il est là-haut. Oh putain! Elle a pris des cailloux dans la main, connasse. Merde. Elle est où ma flèche? Putain, ne pas... En fait, j'ai appuyé sur la touche pour sortir l'arc directement et elle a pris des cailloux dans la main, cette débile. Au lieu de prendre l'arc. Bah, bravo. Du coup, on a perdu notre feu, on a perdu la trace de l'ours, on a perdu l'opportunité de le tuer. Putain de merde. Il est mort ? Et toi, est-ce qu'il est mort ou pas ? Ouais, il est mort. Ah, vache! Ah, vire-moi ces cailloux de merde. Ah là là! Vire-moi ça. Casse-toi. Incroyable. C'est quoi ce brouillard? Oh non, je sais ce que c'est. Fais chier. Non, on n'a pas le choix. C'est le brouillard de l'aéroport, il est aussi ici. Donc en fait, il peut être dans toutes les nouvelles zones. Toutes les zones de DLC. D'accord, ok. Ça, je savais pas par contre. Ça, j'étais pas du tout au courant. Donc du coup, risque d'insomnie. Ok, c'est pas très grave. La peau, les boyaux... Ou alors, on peut le découper comme ça va nous prendre 2 heures. Le mieux, c'est comme ça, c'est le plus rapide, honnêtement. Ce genre, en 2 heures, on peut faire quasiment toute la viande, puis après... On va d'abord faire 2 steaks. Et on va les faire cuire. Honnêtement, mon expérience avec le brouillard, elle est proche de nulle en fait. Je sais pas comment il fonctionne. Pourquoi ? Parce que quand c'était sorti, c'était plus ou moins buggé, où ça faisait strictement rien. Donc du coup c'est un peu compliqué en fait de savoir ce qui va se passer. Pour moi. Après il est stylé, hein. Moi j'aime bien les effets de lumière et tout ça. Bon 50 minutes. Donc, mais ouais, ça marchait pas vraiment comme ça devrait, en fait. Comme ça devait, pardon. Donc, du coup, je sais pas du tout... qu'est-ce que ça va faire, vraiment, l'effet? Est-ce que, du coup, on peut plus dormir? Est-ce qu'on a du mal à se reposer? Après, personnellement, on n'a pas vraiment de problème. Même si on est fatigué, si jamais, vraiment, on doit rester éveillé, go café, hein. Go café, hein, donc, bon... Je vais voir si on peut pas rajouter un peu de... récupérer un peu plus de bois. C'est combien ça pour détruire ça? Ça, ça a pas changé, c'est super long. Alors, ça c'est pour 10 minutes si on a super froid, alors j'imagine même pas pendant une heure quoi. Par contre, on voit que dalle, hein, c'est bien. Nickel.
Faut qu'on prenne la peau aussi. I wonder if I can drop any of this gear. Goodness. Non, merde, pas ça. Ça, on mange. Ça, on mange. Nickel. Magnifique. Magnifique. Minutes. Ah, les boyaux, c'est long. On va prendre la peau. La peau, ça sera pour sac de couchage, honnêtement. Parce que les vêtements, la plupart du temps, ils prennent pas trop trop cher, les deux vêtements qu'on a. Donc c'est vraiment sécurité pour le sac de couchage, je dirais. Il nous faut des boyaux. Il nous faut quelques boyaux. Obligé. Pour réparer nos vêtements. Ah putain, c'est chiant ça aussi. Ah, ce système de déposer, il faudrait pouvoir choisir ce qu'on veut déposer. Je crois qu'il y a... Ouais non, mais jetez-le, en fait c'est exactement pareil que la touche. Alors, il y a du vent. Ça, très bien. On a encore 43 minutes. On va faire le plus de viande possible, parce que le principal c'est la viande. Les boyaux c'est en second, parce que les boyaux c'est sur tout le monde. La viande par contre c'est pas sur tout le monde, surtout de l'ours. C'est quoi ce bruit de ouf? Incroyable. Ah merde, évidemment. Du coup. Alors attends. Ça souffle toujours ou Non, attends, peut-être pas. Alors. Je vais le laisser là et on va le réchauffer si jamais le vent il souffle le feu en fait. J'ai un peu merdé le temps là parce que... Ah, fait chier, ouais, d'accord, ok. Ça marche. Du coup, on est un peu dans la merde. Ok, très bien. Nickel. Ce bruit, il est tellement chelou. Qu'est-ce qu'on peut jeter aussi qui pèse un peu lourd? Non, ça non, on va le garder. Ok. Trop de vent. Ah ok, ça marche. Je voulais voir si on pouvait gratter quelques minutes de plus. Mais... J'imagine qu'on peut pas dessiner. Ouais, non.
On va prendre encore deux steaks. Et on va partir. Ok, pas mal. Attendez, que je... Ouais, on est bon. Alors, en théorie, ça serait plutôt de ce côté-là pour rentrer à la maison, hein. On est d'accord, hein. Plutôt à gauche. En fait, j'essaye de rebrousser le chemin parce qu'on avait un feu, donc du coup, c'était... C'était... On venait de là-bas, quoi. Je pense que si on transportait la viande sur nous, on pourrait pas sprinter. Du coup, il y a quoi là-bas? Je dirais que c'est plutôt de ce côté-là, moi. Oh, un truc qu'il faudrait avoir, c'est pour réparer le travois, en fait. Toujours sur nous, c'est vrai. Bon, faut trouver une grotte, un endroit là qu'on puisse se poser. Histoire de... Ah, parce qu'il y a combien de kilos là? 20? 15? Ça nous ferait 56 kilos. Starting to feel numb. Faudrait tester en fait la vitesse. Ça c'est la corde. Ok, alors attendez, la corde, on l'a trouvée avant ou après la grotte? La corde, on l'a trouvée avant ou après la grotte? Techniquement, on peut peut-être transporter tout dans notre sac. On va être un peu lent, mais... Parce que j'ai pas envie de trop abîmer le... Le truc. Tu peux voir un peu? This pack is getting too heavy to carry. Ouais, non, en fait, non. Non, non, non. Damn. Alors, du coup, on va où? Par là-bas. Et là, on revient en fait sur nos... vers la mine, je crois. Je pense. On a encore un peu de bois et on a du charbon aussi. Donc, on peut se réchauffer. C'est pas trop grave. Le problème, c'est que j'arrive pas à m'orienter. Je sais pas vraiment.
Là, j'ai perdu en fait le nord, le sud, tout ça. Là, j'ai perdu les points. Là. Donc, c'est un peu embêtant. Passage rocheux. Ok. Ok, alors, si passage rocheux ici, ça veut dire que nous, on vient de là-bas. Ça marche. Mais ce qui me fait peur à chaque fois, c'est la durabilité hein, du travaux. Hein. J'aimerais vraiment pas qu'il s'use autant. Parce que là il faudrait faire un aller-retour avec des pots si on veut le réparer. Par contre, si vous le savez, parce que moi je le sais pas, j'ai pas testé encore. Si vraiment il casse, qu'est-ce qui se passe aux objets à l'intérieur du travois? Est-ce que tout se perd? Est-ce que tout est par terre? Est-ce que le travois, on peut vraiment plus rien en faire, il faut le jeter? Je pense qu'il faut monter. Enfin, je sais même pas si on peut. Non, on peut pas. Il y a quoi là-haut? Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ça m'embête parce que l'épisode va durer très longtemps. Je le couperai si jamais. Ah, oh, on est une grotte. Ou... Non, c'est peut-être pas une grotte. C'est un passage qui peut nous mettre à l'abri du vent, déjà en tout cas. Ça pourrait être une solution. C'est bien là? Là? Ouais. Ok. Eh ben... Ah, c'est pas de tout repos, hein. Par contre, est-ce que je vais avoir assez de bois, là? Je suis pas sûr. Come on, little fire. Range-moi ça. C'est ça. On va faire ça. On n'a pas assez de bois pour faire chaud. Un peu plus de bois. On va récupérer ça. Bon, on a notre travois en bas. Si jamais là, ça nous ramène vers les mines, honnêtement, c'est nickel. Mais c'est très très compliqué de voir où on va avec ce brouillard. J'ai même envie, pour pas que ça dure des plombes non plus... peut-être qu'on va dormir une heure, histoire de sauvegarder, en fait. Et on continuera la prochaine fois. Alors, très bien. Il fait pas extrêmement froid.
Donc il nous faut quelques bouts de bois et hop, c'est bon. En plus, nous, comme d'habitude, hein, vu qu'on est feu niveau 5, les feux durent extrêmement longtemps. Donc c'est pas la durée, honnêtement, qui a un problème, c'est juste la chaleur qui a un problème. Ah, tiens, du bois pour faire des flèches. Mais on verra ça plus tard. Donc, faut que j'arrive à me repérer. Donc la descente, ouais, c'est là. Et nous, on a notre travois. Qui est ici. J'ai encore des calories, j'ai pas besoin de prendre plus de viande. S'il n'y avait pas cette montée là un peu rude, j'aurais bien voulu mettre le travois avec moi là, mais bon, pour le moment, on peut pas faire grand chose quoi. Voilà, ça devrait nous faire tenir ça. Voilà, parfait. Parfait. Alors, on va faire des boissons parce qu'on en a plus. Nickel. On va peut-être... ouais, comme j'ai dit, on va dormir ici. Ça c'est fait, on va faire de ça, on va en préparer d'autres, nickel. Ben voilà, ça se passe, ça se passe, hein. Ça se passe. Maintenant celui-là. Alors, fais voir un peu l'insomnie, ça fait quoi? Votre sommeil est perturbé et votre repos est fréquemment interrompu. Traitement altération mettra entre 18 et 36 heures à se dissiper. Les tisanes peuvent atténuer l'effet de l'insomnie. Les tisanes, lesquelles de tisanes? Lesquelles? Les tisanes en général? Tisane de bouleau? Tisane de tasse de tisane? Tisane normale? Aïe 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 aïe. J'imagine celle-là. Ok. Bon bah je pense qu'on va dormir ici. Je vais essayer de dormir genre 2 heures au moins. Ça devrait aller avec notre chaleur, le petit feu et le sac de couchage. Ouais, ça devrait aller. 2 heures, ça devrait passer sans problème. Alors, on va boire ça. On va faire ça. Attendez, on va mettre... Bon, le reste, c'est pas grave. Ouais, on va dormir 2 heures. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, on continuera. L'épisode est encore un peu plus long, mais bon, c'est des nouvelles zones, donc je sais pas trop quand où je peux m'arrêter, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Mais ouais. À la prochaine. Ciao, ciao.